Ça peut dépendre de plusieurs choses. Il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Des fois, c'est la disponibilité pour les apprentissages. Des fois, l'élève manque de temps, n'a pas le temps de se consacrer à ses études parce qu'il y a des obligations familiales, des choses comme ça. Des fois, il y a des problèmes familiaux aussi qui font que ça occupe toutes ses pensées. Puis à ce moment-là, il n'est pas disponible pour les apprentissages. Il y a des facteurs extérieurs. Parmi les facteurs sur lesquels on peut jouer, il y a la motivation face aux apprentissages. Et quels sont les facteurs de motivation des apprenants? Mais Roland Viau, qui est un enseignant à l'Université de Sherbrooke, lui parle de trois perceptions que les élèves ont face aux apprentissages. Première perception, c'est la perception de la valeur. Donc, est-ce que les apprentissages que je fais ont de la valeur? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce qu'ils sont importants pour moi, pour ma vie, des choses comme ça? La perception de la compétence, est-ce que je vais être capable de réussir ce qu'on me demande? Et finalement, la perception de la contrôlabilité. Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus ou est-ce que tout est extérieur? Quand un élève vient te voir après un succès, bien, il dit « c'est grâce à toi si j'ai réussi » ou quand il dit « si j'ai coulé, c'est à cause de mon prof », lui, il se retire de l'équation. Puis à ce moment-là, il n'y a pas une grande perception de contrôlabilité. Tant que ça va, il va peut-être rester à l'école, il va s'estimer tout simplement chanceux de réussir, malgré que je pense qu'il n'y a pas raison de penser comme ça, parce que l'élève est nécessairement au centre de ses apprentissages. Mais il va probablement persister, parce qu'il va dire en définitive, je vais aller chercher mon diplôme. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, mais il va dire il n'y a rien à faire, parce que moi, je ne contrôle rien dans ce processus-là, puis il va probablement décrocher. Bonjour, je m'appelle Daniel Lalande, je suis conseiller pédagogique à la Commission scolaire de la Seigneurie des Méliles, et je vous présente mon milieu de travail situé au 430 Arthur Sauvé à Saint-Eustache.